Salam alaikum. Donc, fin de la vidéo, on va voir ensemble la correction de l'évaluation diagnostique pour la première année du cycle collégial, page 8, 9, 10 et 11. Alors, je répète, الدرسات خاص بالأولى إعدادي فرنسية باركور نيفو لو ليفر دونك لو بروغرام سي باركور. Alors la première question que vous avez, vous avez un texte page 8, un petit texte, le texte de Valis, l'enfant. Alors, ce qui est demandé dans cet exercice, c'est que l'élève doit être capable de déchiffrer les mots. Il y a les mots, il y a un texte d'une manière correcte, couramment, qui a fait prononcer les mots, qui a fait intaqal kalimat, qui a fait et dire la liaison entre les mots, ainsi de suite. D'accord, on va essayer de lire le texte ensemble. Donc, voilà, il faut lire le texte. Qrawa le texte, mzien. Alors, je lis le texte. Mon enfant m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner. Nous n'avons pas trop pour nous. Mais si nous n'avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation qui, pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Les moissons m'ont été sacrées. Je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cuire un coquelicot ou un buet. Jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. Ce qu'il me dit des pauvres me saisit aussi, et je dois peut-être à ces paroles prononcer simplement ce jour-là. D'avoir toujours eu le respect et toujours prêt à la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu'elle vaut, je l'ai vu, Valès l'enfant. Deuxième exercice, alors vous avez quatre textes. Tu fais maintenant ? Donc vous avez quatre textes. Texte numéro 1, texte numéro 2, texte 3, texte 4. Had les textes hadouna, il a des études qu'arnaud binatoum, il y a une différence entre had les quatre textes. Il a le moustawa chèque, il a le moustawa, il a le texte loul, il y a des guillemets, il y a des tirets. Ainsi de suite, texte tani, mais quand je dis tiré, mais quand je dis guillemé, texte tel, il y a des paragraphes, ainsi de suite. Donc, le texte loul, il est sous forme d'un dialogue. Alors, je tombe les marques d'un dialogue. Alors, donc, vous avez les guillemets, vous avez les deux points, vous avez les verbes introducteurs, vous avez les tirés, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un dialogue. مزيان التكست الثاني الا قارنتوه مع الاول دونك ما عندهمش نفس لا فورم الا لاحظتوا الاول شنو فيه الثاني دونك عندكم vous avez des strophes vous avez des vers وهذا كتسمى يعني ça c'est un poème ça vient de la poésie le poésie الشعر بالنسبه للتكست الثالث الا قريتوا التكست الثالث غتلقاو فيه vous avez un soir de printemps en 1930, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque Pierre Blanchard entre et vint s'asseoir à ma table. Donc, il a créé le texte. C'est un récit. Elle est un récit. Donc, là, vous avez la narration, le haki. Les indicateurs de temps, les la narration, les indicateurs de temps. Un lendemain à 12h, vous avez un soir de printemps. L'utilisation du passé simple. Ainsi de suite. C'est un récit. Ensuite, pour le texte 4, c'est un texte descriptif. Elle est descriptif. Et là, quand tu le texte, la description. La description, on utilise l'imparfait. Donc, tu as le texte. Voilà. Donc, le texte, puis, vous allez voir le type, le genre de chaque texte. Alors, on a page 9, on a la réponse, Sfat Sud. Le texte A est un dialogue, le texte 2 est un poème, 3 est un récit, le texte 4 est une description.
4, ماشي 3, 4 description. ناخذوا الصفحه 98 عندكم واحد لو تيكست تما 98 صفحه 98 عندكم واحد لو تيكست الوغ هذا لو تيكست هذا لو تيتر vous avez les préparatifs de fête d'après Jean d'Orsen polynisé الوغ تقراو هذا لو تيكست هذا مزيان Donc les vieilles, j'ai croisé sur l'unique route qui scinte l'aile de Taha, des positions de jeunes filles qui revenaient de la rivière. À Tqarawad le Texada, si vous avez un dictionnaire, essayez d'expliquer les mots difficiles, ainsi de suite. Charhul Kalima Saba, Hawlut Fahme le texte, ainsi de suite. Désolé les réponses. Alors, Mnispel page 9, alors la première question, vous avez le texte se compose de... Combien de paragraphes le texte Alors, là, tu as le texte. Pour que nous les paragraphes, tu as la ligne. Tu as la ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez 5 paragraphes. Donc, la bonne réponse est 5 paragraphes. 5 paragraphes. On va le faire. La question 2. Comme je complète le tableau suivant à partir du texte. Alors, vous dégagez l'auteur de ce texte. N'est qu'un goulot l'auteur, c'est-à-dire celui qui a écrit le texte. Celui qui a écrit le texte ou le katib. Donc à la fin du texte, il a titulé le texte, à la fin du texte, vous avez l'auteur Jean d'Orsen. Vous avez dit, il y a la source. L'œuvre d'où est-il tiré ce texte, il y a le riwaya m'akhoud min an-nas. Il y a la source du texte. En tout cas, polynisé. Le titre de ce texte, donc c'est le titre, l'anwan, donc c'est les préparatifs de fête. Nous la question suivante. Alors, classe les mots suivants par l'ordre alphabétique. Il y a des mots. Nous sommes à des formes selon l'ordre alphabétique. Bien sûr, A, P, C, D, E, F, G, ainsi de suite. Alors, nous commençons pommier, journal, A, par exemple. Il y a des mots qui sont en train de se faire. Nous avons des mots qui M, pommier qui sont P, journal G, A, Z. Donc, nous sommes à des choses qui sont en train de se faire. Maintenant, on commence par arbre, il y en a qui sont A, journal, maçon, pommier, zèbre. Deuxième, il y a un fruit fertile, force, fière, farce, il y en a qui sont Et là, tu as la première lettre, il y a les mots qui sont en F. Donc, en dessous, la lettre est il y a comme R, F, E, O, fière, il y a F, I, ou farce, il y a comme A. Donc, on va commencer par farce, fertile, fière, force, fruit. La question 2, comme le contraire des adjectifs suivants, comme des adjectifs, on déroule des contraires. Alors vous avez avare, généreux, forte, faible, adroit, maladroit, courageux, peureux, douce, dur. Ça, ce sont les contraires. La question 3, page 10, 10, alors vous avez classé les verbes ci-dessous dans la case qui convient. Alors, on a, bien sûr, les verbes, toujours il y a trois groupes. Il y a le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Premier groupe, les verbes qui se terminent par ER, deuxième groupe, les verbes qui se terminent par IR, et troisième, et le reste pour c'est pour les troisième groupes. Et bien sûr, il y a des exceptions. Alors, on commence par les verbes du premier groupe. Vous avez le verbe avancer, marcher, monter, rester, obliger, traverser. Ce sont des verbes réguliers. Mais qui est plus la conjugaison. Avancer, marcher, monter, rester, obliger, traverser. Les verbes du deuxième groupe, vous avez choisir. Donc, vous avez choisir, applaudir, finir. Et les verbes du troisième groupe, vous avez venir. Voilà, donc sortir, lire. La question 4 complète le tableau ci-dessous par les mots proposés. Alcum des mots, il faut classer ces mots. C'est-à-dire, il faut classer ces mots selon la nature. Wash adjectif, verbe, adverbe, nom, ainsi de suite. Donc, on commence par chambre. Chambre, c'est un nom.
دونك غديرو في لو نو شومبر سي ان نو اريان تكون هنايا شومبر ايت ان نو vous avez voir c'est un verbe vous avez arrivé c'est un verbe fortement c'est un adverbe arriver donc l'arrivée c'est un nom subitement ainsi de suite donc chaque mot rattrape le nom alors en double verbe vous avez voir arriver adjectif vous avez douce aimable intelligente adverbe fortement subitement heureusement le nom vous avez chambre arrivée mais maison. La question 5, page 10, vous avez un exercice de conjugaison. Vous avez le verbe parler, revenir, finir, apercevoir. Voilà, si on commence par le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Alors on dit je parlais. Ce qui est demandé de faire l'exercice, c'est de faire comme surfer les verbes dans le passé simple. Le passé simple. Alors on commence par le verbe parler. Je parlais, il parla, nous parlâmes, ils parlèrent. La terminaison est comme A-I, A-A-M-E-S, E accent grave, R-E-N-T. Le verbe revenir, je revins, il revint, nous revînes, il revinrent. Le verbe finir, je finis, il finit, nous finîmes, ils finirent. Et le dernier verbe, c'est je, j'aperçus, il aperçut, nous aperçûmes, il aperçure. Dernier exercice, vous avez autour la proposition convenable. Alors, la petite fille est intelligente ou intelligente. Le premier adjectif intelligent, donc c'est singulier. Voilà, donc singulier masculin. Deuxième verbe, comme intelligente avec E, singulier féminin. Intelligente, vous avez pluriel féminin. Donc, la bonne réponse, donc, comme la petite fée, Donc ça c'est intelligente. Deuxième, vous avez la couleur de mon chapeau est noire. Donc là je donne E, là c'est féminin parce que ça revient au la couleur. La couleur de mon chapeau est noire. Et vous avez les cheveux de cette écureuil force, non c'est fort. Les cheveux c'est le cheval, d'accord. Donc c'est masculin pluriel. L'exercice que vous avez ici, donc vous avez chacun pour soi, il est impossible de nouer une amitié avec une personne d'un autre pays. Il y a des comportements, il y a des comportements, il y a des choses, 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 il y a des chacun pour soi. واش يعني هنا الكونتخ ديال لو طرافاي كوليكتيف الانسان بالعكس خاصو يكون تعاون ماشي يخدم راسو الي امبوسيبل دو نومي ناميتي افيك اون بيرسون دان اوتر بي بالعكس يعني بالعكس يعني واخا يكون شي شخص كينتمي لواحد الدوله معينه واحده اخرى اللي دونك عندها ثقافه مختلفه وعندها اعراف مختلفه وعنده لغه مختلفه دونك ما كاينش مشكل ربطنا علاقه معاه كنا دي زامي il faut aider tous les gens en conscientisation de race de culture bien sûr ان خصنا نعاونوا اي واحد كيحتاج المساعده ماشي بالضروره ان هذا مثلا عنده ثقافه مختلفه ولا فوالا دونك ماشي من عندنا ولا شلح ولا جو سي با مو لا De temps en temps, on peut se permettre de ne pas respecter le code de la route. Donc, on a un canon C, donc on a un canon C, on a un blague, et l'autre. Aujourd'hui, il n'existe plus de vrais amis. Il y a vraiment un vrai ami. Il y a des amis. Il y a des amis. Il faut respecter aussi bien la femme que l'homme. Bien sûr, on a un rajel ou un rajel. On n'est pas obligé de respecter tout le monde. Oui, donc ça dépend. H, il faut croire que l'homme est bon par nature. I, il faut écraser les faibles et sont bons à rien. Tous les hommes sont égaux. Voilà, donc quelle égalité entre, entre la femme et l'homme. ما كاينش مشكل كاين المساواة